hands. Groupe lillois préféré, à chaque époque son groupe lillois préféré quand même. Human, super groupe Human. Human. Les Human en électro. De type exceptionnel et très complice. Ils font de la musique depuis très longtemps et puis c'est fin. C'est y a plein d'amour dans ce qu'ils font et puis c'est trans, c'est beau. Cette manière de mélanger la pop et la musique électro dansante, c'est assez cool. Et puis ils ont leur truc à eux, leur rythmique de basse, pam 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 pam, qui est vachement cool, c'est leur signature. Et puis les grands tomes qui font tout 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 tout. Faire remix d'un de nos morceaux de La Femme aux Fossiles qui est super cool quoi. Ils ont des talents de producteurs, enfin des trucs que j'aime vraiment bien, des trucs assez qui a bien l'air du temps. J'aime beaucoup Jim aussi. Je connaissais pas forcément Rocken Is the Delir, qui était leur groupe d'avant, mais... La voix de Jérôme est super classe. Jim, pour le génie de la composition, pareil, avec encore le même chanteur et compositeur que dans Rocken Is the Delir. Il y a vraiment ce côté pop que j'adore. Il y a toute la petite équipe dans l'As, de label de Joël, qui sortent des trucs un peu trop techno. Moi, j'ai moins cette culture-là, mais je sais que quand je me retrouve dans des soirées où c'est des gens de son écurie qui mixent, il y a toujours du bon son et de la bonne énergie, ça c'est cool. Body Beat aussi, qui est genre, sont quand même les rois du groove, et du coup j'adore. Toujours un bon moment. Des mecs qui savent retirer tout ce qu'il y a en trop et ne garder que le strict minimum et même rivaliser avec des boîtes à rythme alors que ce sont de simples êtres humains. Une magie du groove incroyable. We'll be right back.
Red en leader, chanteur, guitariste fou et la meilleure section rythmique de l'île du monde, avec Nico Bertin à la batterie et Jérémy Point à la basse. Gerge. Ouais, bah ça c'est Jérémy Point tout seul, avec son sens de la trance. J'ai jamais assisté, j'ai écouté sur disque, c'est vrai que c'est fabuleux. Enfin, de toute façon, le type est brillant. Hein, il a une approche de la musique qui est particulièrement musicale, qui est ludique et trance. J'étais un grand fan de tous les projets de Gaëtan Campost. Tout ce qu'il a fait, j'ai toujours aimé, que ce soit Jen Genie ou Gachette of the Mastiff. Diderdas, non, ce mec-là a de l'or dans les doigts, enfin surtout dans le cerveau et les oreilles. Son dernier projet qui était fabuleux, c'était ses compos à lui et à la batterie, à la basse. Il y avait encore une fois le duo infernal, le meilleur du monde. Jérémy Point à la basse et Nico Bertin à la batterie, et au chant il y avait la petite Margot qui développait cette forme de sensualité, voire de sexualité tropicale, très très déconcertante. Et comment s'appelait ce groupe? Tampon Tango. Côté vaudou, électro, prenant, trans. J'aime beaucoup Paprika Kinski aussi. La petite Amandine, elle a son univers autour de la mode, sa poésie. Du quotidien, son humour qu'elle arrive à distiller dans ses textes et dans sa musique, et ça c'est vachement cool à voir, et du coup ça c'est un de mes groupes chouchous du moment. Il y a Splash Wave. Splash Waves, c'est vrai, tiens, je les avais oubliés. C'est vrai que ça, c'était assez fabuleux. Je les ai vus
une fois ou deux fois sur scène. Et là, pour le coup, il y a un vrai savoir-faire dans les sonorités de synthé des années 70-80. Et Antoine Pell aussi. Antoine Pell, un génie de la réflexion autour de la musique, de qu'est-ce qui que doit être une bonne chanson pop, groove. Un mec qui prend des risques, qui se réinvente constamment, et peut-être trop, parce que du coup, il me semble que le type avec tout ce talent devrait être beaucoup plus connu que ça, mais je pense qu'il se prend trop la tête et qu'il remet trop souvent sur l'établi ses copies, et que du coup, il les sort pas, et que du coup, il perd du temps. Et les clips sont vraiment racés aussi, je pense que... C'est quelqu'un qui a une exigence autour de l'esthétisme très très particulière, très forte. C'est un vrai entertainer, un gars avec une vraie musicalité et puis un type super sympa. J'adorais TV Glory, qui était un petit peu le Rocky d'aujourd'hui avec Inès, la chanteuse remplacée par Tony Verloc. Bon, c'est un peu moins sexy, mais il y avait des superbes chansons et un truc électro flat qui était vraiment cool. Chanson 2 que j'adorais qui s'appelait Avocarize, que je me passe encore maintenant souvent, qui était vraiment un super tube. Je suis bien content que les Rockies aient décollé parce que c'est des mecs que je connais depuis très longtemps aussi. Ces mecs-là ont une culture de toute la dialectique électro, on va dire, et dance, plus club et dance que électro vraiment. Rocky qui viennent d'arriver avec leur nouvel album après 5 ans d'attente et d'expérimentation qui sur scène envoie une énergie folle. Ouais, Décision aussi, qui est une sorte d'hybride entre Azur, qui est Antoine Puy, qui est en électro à Lille, faire un truc vachement cool, je l'ai oublié, mais lui c'est vachement cool, j'avais vu à Saint-Saul, j'avais dansé toute la nuit, c'était vraiment bien. Et des petits gars d'Everest, en fait il y a vraiment une densité de groupe à Lille, c'est assez fabuleux. Back to the classroom, I'm feeling mad, as I came in the class, right in time.
Ah, Vertigo, c'est fabuleux. Très original, je trouve. On a un batteur qui a un jeu que j'aime beaucoup dans le sens où il joue comme une boîte à rythme. C'est-à-dire qu'il a pas, il joue pas comme un batteur ou un percussionniste, il joue comme une boîte à rythme. Il met juste les impacts nécessaires pour rendre service à la chanson. Et puis on a cette multi-instrumentiste fabuleuse, Lulu, qui arrive à tenir sur scène les basses à la main gauche, les parties de clavier à la main droite, et faire les chœurs en même temps. La voix de... C'est Camille, hein, je crois, la chanteuse. Et puis, des petites chansonnettes pop très très bien gaulées. Puis une belle cohérence de groupe sur scène, sur disque. Puis des gens extrêmement gentils et drôles. Très bon groupe, ouais, Vertigo. Le Duke Factory, ce que j'adore, c'est que c'est des mecs qui jouent de la musique de vieux, alors qu'ils sont jeunes. Mais ils jouent... j'ai jamais vécu les années 60-70, mais c'est l'image que je m'en fais. Il faut aller voir une fois le Duke Factory faire un concert, parce que les mecs... joue vraiment avec les amplis Orange et Fender à burn, on entend que les amplis souffrent. Cette maîtrise de ce jeu qui pour moi est propre à cette époque là, savoir jouer des parties de guitare et des parties de batterie à la Deep Purple comme ça, ou à la je sais pas, King Crimson. Il va y aller Jimmy Ben Band aussi, Jimmy Ben Band. Avec qui on a partagé quelques scènes qui sont très très cool à voir. Une grosse énergie, une fameuse, un rockab un peu actuel qui est vraiment chouette. Enfin, rockab, j'espère qu'ils vont pas gueuler si je dis ça. Mais ouais, qui ont vraiment une attitude, une énergie sur scène qui est vraiment dense. Je sais pas quelle est sa pathologie mentale, mais en tout cas autour du personnage de Jimmy Ben, type fabuleux dont on ne sait jamais s'il est en train de jouer la comédie, s'il est Jimmy Ben ou s'il est son vrai prénom qu'il ne dit jamais.
on sait même pas son âge, c'est un mystère total. Un groupe qui aurait vraiment mérité de cartonner, et je ne comprends pas, ces mecs-là devaient pas être au bon endroit. Mais waouh, fabuleux en plus, où est-ce qu'il a été chercher cette manière de chanter là, chez les Cramps, je sais pas où. Puis ce génie du riff auquel personne n'a pensé avant, il va trouver un accord à jouer, alors qu'on a quand même 60 ans d'histoire du rock'n'roll derrière, et il réussit encore à trouver des petits riffs fabuleux. Moi, ouais, je dirais que c'est les meilleurs, hein. C'est Jimmy Bang. Si tu veux, je peux faire une grosse lumière, je... mais je vais pas le faire parce que je vois que c'est une belle caméra. Bonjour. Ce qui me concerne, la musique, c'est juste le truc pour moi qui de... Enfin, ça devient de plus en plus précis, mais c'est le seul truc qui, pour moi, vaut le coup pendant ma durée d'existence, tu vois. J'ai envie de faire ça pendant le temps où je suis là, quoi. Parce que c'est le truc où j'ai pas encore identifié, enfin, j'ai pas encore vu le mauvais côté de la musique, quoi. Tu vois, c'est vraiment libre, c'est ouvert, et t'as un truc, tu l'écoutes, et c'est juste un truc qui vient à toi, et voilà, quoi. Des groupes qui m'a le plus marqué, ça serait White Blues Woman. Encore Nico Bertin à la batterie, tiens. Nico Ja au chant. Délaisser enfin, le côté du travail, tu vois, et de la vie pour finalement pas s'emmerder avec des conneries comme ça. On a la chance de vivre en France, tu vois, dans un pays où on est quand même assisté. Moi aujourd'hui je profite un peu de ces assistances et je passe mon temps toutes les journées à faire de la vie. Et là, c'est pareil pour Nico, c'est pareil pour Yo, Matt. On fait ça tous les jours, on en parle tout le temps, on écoute tout le temps, on respire de la musique tout le temps, quoi. C'est vraiment un rapport, c'est un amour, quoi, qu'on a avec la zik, c'est beaucoup plus fort qu'une relation amoureuse, tu vois. Green Vaughan, j'aime bien, j'aime beaucoup, mais pour moi qui suis très très gros fan de White Blues Woman, ben forcément j'ai trouvé que c'était du White Blues Woman, mais sans la batterie monstrueuse de Nico Bertin, sans la basse qui dégueule au sol de Johan. Sans le côté psychopathe strident de Guillaume au synthé. J'aimais bien, mais forcément, mon avis a souffert de la comparaison avec les White Blues Woman.